Bismillah, comme bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille et tranquille. Bon, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer des petites astuces pour éviter que la nourriture sente mauvaise. Donc, là, je voulais juste vous montrer avec le cellophane. J'ai couvert ça juste en faisant ça par hasard, comme ça, je voulais vous partager avec vous. Donc, voilà, vous mettez le cellophane comme ça. Et vous coupez, puis vous appuyez bien. Normalement, tous les microbes ne rentrent pas là-dedans. Vous pouvez garder 2-3 jours. Maximum, même plus. Après, il faut voir dans quel pays on se trouve, donc voilà. Et franchement, il n'y a rien qui rentre. Bon, je l'ai fait pour les autres trucs. Vous voyez, ça, c'est le poulet que j'ai fait il y a 3-4 jours. Que j'ai mariné, bien sûr. Que j'ai mariné, et puis vous voyez, ça sent bon. Donc, je mets ça comme ça, vous tirez comme il faut, et ça évite que les microbes, les bactéries rentrent dans les boîtes, et ça peut rester comme ça 2-3 jours, le temps que vous ayez le temps ou l'utiliser. Donc voilà, ça peut vous servir. Donc voilà, ça, j'ai fait pareil pour celui-ci, vous voyez, c'est la nouvelle farce de la prochaine recette. Voilà, donc j'ai pas encore fait, donc comme je l'ai fait hier soir, donc j'y ai goûté pour voir un petit peu comme c'est au thon. Donc je préfère mieux goûter pour bien regarder le goût. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore fait. Et puis j'ai eu pour vous dire, je l'ai fait hier, et puis voilà, ça évite, vous faites comme ça. Ces petites boîtes là, elles sont super bien, je les ai achetées au marché phare. Elles sont super bien. Vous faites comme ça, vous éliminez tout l'air qu'il y a dans le truc. Et puis, vous empêchez tout ce qui veut rentrer dedans dans la boîte. Et franchement, c'est sympa. Donc, voilà, c'est tout juste pour partager ça avec vous. Donc, ça peut vous servir. Et puis, j'en suis sûr et certain. Donc, voilà. Vous voyez? Et c'est tout. Et je voulais vous montrer la première feuille que j'ai fait. Je voulais le refaire avant de le remettre en ligne, mais ils sont bons, mais j'ai un petit peu fait la décoration de carrelage comme celui du bled. Donc comme ça me plaît pas, donc au niveau de la déco, hein, donc après le reste, le visuel, c'est correct. Et puis voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout juste pour l'essentiel, c'était juste les boîtes avec ça. Donc c'est ça, hein. Donc ça peut vous servir. Et comme je sais que vous faites beaucoup de farce et que vous les mettez dans les boîtes, c'est très utile de mettre ça. Et puis vous fermez bien, et comme ça chlingue pas et ça pue pas. Et ça peut, vous pouvez garder 2-3 jours maximum. Après, on peut garder plus, mais tout dépend où on se trouve. Donc voilà. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwadzim Ladi. À très bientôt. Salam alaikum.